D'ailleurs, juste pour rappeler, aujourd'hui c'est la journée YouTube X Twitch. Je me suis fait piquer, chat. C'est quoi cette tâche? Bah, je sais pas. On a sélectionné 6 classes. Et dès la première game, une fois qu'on sera chauffé, on commencera. Et vous êtes peut-être curieux de savoir ce qu'il va y avoir comme classe. Alors, on me propose une STG version SMG, une classe Sten Hipfire, une Holger, un pistolet automatique avec un HDR à la mire, le premier pangolin qui arrive. Il me propose de faire une classe STG. Déjà, j'aime bien parce que je la fais jamais, la STG. Très important, déjà, il faut choisir le skin. On peut essayer celui-là, Commande des Ténèbres. Et le monsieur de YouTube, alors, nous a dit, il faut un booster... Quoi? Booster de recul, canon de 220, IS-02M. Ah, c'est putain, c'est le viseur. Ok, ça marche. La crosse, c'est la pliable qu'il nous a dit de mettre. Il nous a dit de mettre la pliable parce qu'il a pas débloqué les autres. Oh putain, c'est quoi ce pangolin, les gars? Pareil, c'est bien, hein, je m'excuserai. Oh, c'est juste qu'il a rien débloqué, le collègue. Il y a que tous les premiers ustensiles. Incendiaire ou pointe creuse? Vas-y, je prends pointe creuse, parce que c'est lui qui propose. Poignée polymère. Focalisation, résistance au tressaillement. Et après, il m'a dit de mettre mêlée rapide. Je suis sûr qu'il a rien débloqué. Ça, c'est la classe d'un mec qui a voulu participer, mais qui a rien débloqué. Bon, allez, on est parti! Brian Sanier, je vais essayer ta classe. J'espère qu'elle est bien. Je la noterai sur 20 à la fin. Oh le bordel. C'est parti, les gars. Est-ce que cette arme est bien ou est-ce que c'est de la merde? Elle a du recul, hein. Elle a beaucoup de recul. C'est pour le moment son défaut, c'est le recul. Mais elle est pas mal, mais il manque un accessoire. Mais nique ta race! Il faut combien de balles pour tuer au corps à corps? Mais forcément, il me tue avec ma propre arme. Il y a un truc qui nerf les dégâts de cette arme. Je sais pas comment ça se fait, parce que tu joues STG en temps normal, elle est plutôt bien, voire top. Mais, et là pourtant, le mec il a réussi à faire une classe qui a un time to kill très lent et qui, ben on peut le dire, pue la merde. C'est limite un exploit, hein. Mais on va voir. Après, quand tu débloques le début des accessoires et que tu vas pas plus loin, bah c'est normal, tu vois, ton arme elle pue un peu. On est d'accord que le mec il tire pour me bait, pour m'obliger à descendre, et ils sont en train de me camper à deux en crossfire à l'intérieur. Radley, ils m'attendent. Mais c'est quoi ces conneries?
Ah ouais, vous allez morfler. Oh oui. Oh oui. Faut que je fasse un kill avec cette arme. Je vais en faire un dès maintenant. Pour prouver quand même que cette arme peut être létale. Juste pour rappeler, les ultras. Je vous rappelle qu'il y a ça à compenser. Hein. Oh, le headshot. Pas compris. Reconnaissance en Oh 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 oh! Oh ta gare! Y'a un mec qui vient de s'allonger. Connard de gueule. Elle pue la merde ton arme, Brian. Elle pue la merde. Mal équipé. Pas les bons accessoires. Canon trop court. Le booster de recul qui sert à que dalle. Le garde-main qui n'est pas efficace. La poignée polymère qui n'est pas le bon accessoire. Je lui mets 4. Non, pas sur 20, sur 10. Du coup, 7. 7 sur 20. La note est de 7 sur 20, du coup. Les ultras, c'est vous qui allez choisir. On a soit Tafa de Franesco, qui nous propose une classe Sten en Hipfire, soit David, qui aimerait nous parler de sa Holger. Sur Tafa ou sur David, sachant qu'on fera les deux. Moi aussi, j'étais chaud pour me taper David. Quoi ? La Holger, c'est ça. Est-ce qu'on a des skins sympathiques? Très important pour la vidéo YouTube. Ouais, j'ai celui-là qui est pas mal. Alors, David Dedon, qu'on salue. Merci de me suivre sur YouTube. Alors, il nous propose un silencieux monolithique. Une lunette VLK. Ah, ok, donc on part clairement sur une arme en x3. Poignée Ranger. Ah non, cross FSS Ranger. Ok, j'ai mal lu. D'accord, ok. La poignée arrière Granula. Granulé. Ouais, il voulait vouloir dire, c'est pas grave. Et on a un problème. Et la poignée Ranger. La poignée, il m'a pas donné le bon accessoire. Ça existe pas, la poignée Ranger, frérot. Je pense que la commando, c'est ce qu'il y a de plus viable. Honnêtement, cette arme, je pense qu'elle est mieux que l'autre. On est parti, défi YouTube. 8ème, David Denom, Holger. Le poussin tueur, t'as intérêt à rester en vie. Ah, oh, c'est des noobs. Exact. Oh, le fils de pute, il croche mon cul. Aïe, 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 t'as la parole. Oh, le sourdieux. Oh, putain. Ah, 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 bâtard. Ah, ah, il y a Hicham qui joue avec le Marocain du 77. Il y a TK78 dans la game. Oh là là. Aurélie n'a que 16 ans. Et pourtant, elle attend un enfant. Je sais pas pourquoi cette chanson elle vient, tu vois. Voilà la frappe aérienne.
vais tuer tout le monde, les gars, je vous préviens. Oh, poussin tueur, t'as un micro ? Ton pseudo, c'est un truc entre tuer et Théo, c'est une sorte de jeu de mots que t'as fait ? Tuéo ? Je te le dis objectivement avant de plus m'en souvenir, c'est de la merde ton pseudo. A toutes. Allo, tu m'écoutes ? Putain, enfin on s'entend ! Frérot, c'est quoi Tuéo du coup ? Non, c'est plus un tueur. T'as mal lu. Comment ça, tueur? Et tu es où dans le nom de team? Ah non, toi. Ça, tu sais, c'est... C'est moi, je joue à Call of pour m'amuser. Genre, j'ai pas de team ou quoi, je joue juste avec quelques potes, des fois. Ah, très bien. Bon, dans ce cas-là, bonne chance. Je suis content qu'on joue ensemble. Y'a un mec vers toi. Ouais, là-bas. Bien vu. J'arrive. Je crois que je chie, frérot. Ah, y'a encore un mec là-bas. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Je l'ai touché. Bien joué. Oh. Il a fait une fumée, lui. Personne te fume. Tu es Tuéo, le tueur de poussins. Putain, mais chaud, hein. Mais t'es le vrai, non? Non, je suis un fan. Ok. Non, c'est que j'ai déjà vu des vidéos de chaud, hein. Et... Putain, il est chaud patate, lui. Hein. Oh, sur moi. Oh, il a encore son pote dans la zone. Il y a son pote dans la zone qui arrive. Ok, j'arrive. C'est moi, je l'ai. Ah, mais t'es trop fort, gros. Mais tu joues avec lui, t'es un mate de show. Je crois que je t'ai déjà vu sur son live. Non, impossible. Non, moi j'ai déjà vu des vidéos de lui avec Skyrose. Parce que moi je regarde pas mal Skyrose de temps en temps. Ah, ouais. Skyrose, je l'aime bien, mais tu trouves pas qu'il est un peu vieux? Bah, après, je sais pas quel âge il a. Mais après, c'est. C'est l'impression que ça donne aussi. Bah vrai, parce que moi j'ai 17 et je crois que lui il a 45, Sky. Non, il a pas 45, t'es un ouf. Sérieux? Ok. Remarque, je sais pas. Hein. Remarque, je sais pas. Bah attends, tu sais quoi, je vais taper sur Google. Apparemment, il a 38 ans. 30? Non. Oh, il y a du people vers moi là. Et frérot, il a joué à tous les calos, à tous les codes et tout. C'était sûr en fait, hein. Putain, mais il les fait pas, hein. Non, mais il est bien conservé, hein. Moi j'aimerais. Ah, moi, il fait du sport. C'est le Mexique, c'est la bouffe mexicaine. Ah non, mais c'est la bouffe mexicaine, et même. C'est le roi, t'as vu comment il est BG et tout. C'est vrai qu'il a 38. Putain, ah, par contre, y'a du monde vers moi, je vais aller vers toi parce que je sens que je vais me faire fumer. Vas-y, viens. T'as besoin d'aide? Ouais, je me fais sniper. Il est... Ouais, bien vu. Putain, tu l'as tué à l'hélico. Wouah. Bien joué. Merci, lapin. Ça me fait plaisir. Bon, je vais essayer de retourner sur mon stuff. Ouais, c'est... Putain, c'est que t'as vraiment la voix du youtubeur. C'est pour ça que je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est non, lui. Je vais mettre le micro, quand même. Ouais, je sais pas. Non, moi, je m'occupe de sa page Facebook. Enfin, ouais, il a pas Facebook, mais tu sais, quand on est fan, on peut utiliser le truc, et on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, un peu comme un modérateur, au final. Ouais, c'est ça, tu vois. Arrête, attention, je suis moins une pute qu'un modérateur. Ah bah, après, moi, tu sais, je connais pas beaucoup ce monde-là. Même si je regarde YouTube. En fait, moi, si tu veux, les réseaux sociaux, je regarde pas, mais YouTube, ça fait un long moment que je regarde YouTube. Il y a un mec là-dedans, là. Je vous aime, les modos. Tu l'as trouvé? Non, ça se trouve, il est sur le toit, le pépère. Tu viens... Oh, si, ouais, sur toi. Ah, il y a un plus. Ah, putain, je suis mauvais. Je suis désolé, j'ai pas le temps de réagir. Non, c'est pas grave. De toute façon, il y a la braderie, je vais pouvoir me racheter une auto-réa gratos. Mais tu sais quoi? Eh, je te rachète une caisse et tout, pour que tu puisses kiffer. Dis-moi où il est, putain, je suis là. Il y en a un deuxième? Ouais, il est juste au-dessus, là. Bien joué. J'arrive, poulet. Ah, désolé, je suis mauvais, là. Ouais, on est en 2 contre 2, c'est le 2 contre 2 final. Oh, les fils de pute. Oh, putain, ils arrivent. Ouais, mais ils profitent du fait que tu sois knock, là. Wouah. Oh, ça va être chaud, là.
Je vais essayer de me barrer, me plaquer vite fait. Ah bah non, ça n'aura pas marché. Ah, il est juste là. Oh, bien joué! T'as vu bien ce cancel slide, mon frérot? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Putain. Ouh. Mais si, c'est toi, chaud, putain. C'est bien sûr que si, c'est toi. Bah ouais, j'ai 16 kills. Tu m'as pris pour un mec qui tenait une page Facebook. Ben non, mais c'est que, comme tu dis, je suis pas non plus à fond dans le jeu. Tu continues de jouer ce matin? Ouais, vas-y, on s'en fait. Vas-y, allez, je t'envoie une invite. Il a bon fond, on va continuer avec lui les défis, les gars. David Denone. Non, putain! C'est quoi ton nom de famille? C'est comme Danone, mais avec un D à la place du N, ça fait chier! David Denone. Mais ton arme, elle est super bien. La Holger que je vais remontrer tout de suite. Je lui donne la note, honnêtement, de 18, 19 sur 20. Parce qu'actuellement, c'est une arme qu'on pourrait prendre méta. Le canon, ça a été super malin de pas le mettre. Le chargeur, il n'y a pas besoin de mettre plus de balles. On a déjà 100 de base. Super méta, mec. J'ai fait 16 kills sans forcer en discutant. C'était du bonheur. Donc, merci pour la recommandation. Et défi suivant. La nouvelle classe nous est proposée par Tafa de Francesco. Chaud. J'ai trouvé une classe Sten Hipfire. Et franchement, elle est incroyable. Je pense que tu vas adorer. Elle fait super mal, mais elle n'a pas beaucoup de balles. Mais, par contre, on dirait qu'elle est buggée tellement elle te rend rapide. C'est abusé. On va découvrir ça avec toi. Alors, la Sten, déjà, je vais prendre un skin que j'aime bien. J'adore les skins en bois. On part sur le silencieux Mercure. En suivant un Oakensen de 174. Ok, ça roule. Lunettes détecteur ardoise, le classique. SA41 métallique. Stabilité 1915. Ok, stabilité 1915. Oh là là, chargeur rapide de 20 cartouches. Non, ça peut pas être ça. Chargeur rapide, 20 cartouches, .45 ACP. Non, il s'est trompé, ok. C'est le 32 cartouches, du coup, qu'il a envie de mettre. Point de creuse, il me dit de mettre. T'as dit quoi comme silencieux? J'ai dit le Mercure, si je dis pas de bêtises. Très très fort, Tatanus. Très très fort. Ouais, c'est... Ah les gars, confession à cœur ouvert. Oh, c'est un bon taf, en vrai. Faut juste un peu... Tu sais, c'est un peu comme tous les métiers, il y a des gens... voilà, on va dire... Ouais, il y a des fils de pute et des mecs cool. C'est ça. Oh, putain, je suis mauvais, là. Ouais, mais clairement, ouais, c'est ça. C'est... Et puis en plus, le problème, c'est que genre, il y a quand même... Enfin... Je suis en train de donner une bonne image en plein live. Il y a combien de viewers au fait actuellement? Là on n'est pas nombreux, on est 200. Ah c'est quand même ça. Hein. Bah bonjour à tous, en fait je suis là, je suis en train de jouer avec toi, j'ai même pas dit bonjour. Non mais c'est pas grave, ils sont habitués. T'es sûr que t'es pas un Marseillais d'Auvergne toi? Oh Marseille, oh y'a un mec dans le bat là par contre vers moi. Oh oui 7 mètres, juste là le con. Ok. Ah, elle n'est pas du tout au même endroit, quel con. Elle est pas mal. Elle manque de cadence. Oh bien joué. Mais elle est vraiment légère. Merci poulet. En fait moi je teste des armes. Sur le toit de prison je crois ça me snipe. Ok, je mets une frappe dans ce cas là. Il est en rouge. Par contre tu... Putain quand je tombe sur des petits shorts YouTube, des trucs comme ça, mais tu places vraiment des trucs de ouf. Ouais. Bah ça triche un peu hein. Ah non, je pense pas, parce que je pense que tu fais partie de ce genre de mec, si tu trichais, genre... Tu sais, ça t'amuserait pas au final de placer des putains de trucs. Oh putain, faute de précision. C'est vrai. C'est bien vrai. Puis en vrai, genre, à quoi bon tricher dans le sens où, genre, on paye quand même les nouveaux call-off, on les paye quand même la peau du cul, quoi. Franchement, tricher pour rester dans un coin et viser le mur en attendant que quelqu'un passe, ou alors tricher... Autant faire ça sur un jeu gratuit, quoi. Eh hey, merci pour l'aide. Ah il était pas content par contre le petit là. La voix de la raison. Non mais t'as complètement raison poulet. Et du coup j'ai fait mes classes, je les ai terminées en septembre. Ok. Et c'est bien passé tes classes? Ouais nickel, il s'est juste passé une petite dinguerie à la fin genre... En gros
Y a ton, t'as vu ton sergent à poil et il s'est passé un truc, hein. Non, c'est qu'en fait, t'as une marche pour 60 bornes à pied. Une épreuve sportive, c'est plus qu'on dormait en ville au lieu de dormir dehors. En fait, genre, on louait des gymnases, genre, la nuit. C'est toi qui as mis le feu? Non, c'est... Non, bah non. Mais en gros, en plus, non mais vraiment, genre un putain d'incendie, et là on est intervenu en mode, en fait c'était une dernière fois, parce que c'est la fin des classes, il y a les bâtiments autour. Toi, taire ta gueule. Je vais plus poser de questions, vous en faites pas. Et du coup, tu me disais que tu regardais Skyros avant. Ouais, je regarde toujours un peu, mais de moins en moins. Genre, il parle de ouf, genre on peut parler de tout et n'importe quoi, et ça dure super longtemps. Ouais, ouais. Et puis il parle de bons sujets, et puis surtout je trouve il a une bonne, comment dire, une bonne éloquence, tu vois, genre... Aïe, aïe, ah! T'as pu voir où il est? Ouais. Ah, il est là-bas. Oh merde! Oh merde! Ah, il t'a fini? Ouais, mais genre, je me suis pris une grenade, frérot, elle était incroyable. Tu peux me réanimer avec ton argent de base? Ouais, je vais essayer ça, ouais. Non, mais t'as pas assez! En fait, joue la game, joue la win, prends mon masque! Allez. Ils sont deux sur le côté gauche, je te mets le ping approximatif. Deux personnes armées ici. T'es en 2 contre 2 contre 1. Essaye qu'il se... Fais en sorte qu'il se fight. Allonge-toi. Deviens un buisson. Te fais pas remarquer. Ah, il t'a remarqué. Ah, ah. Dommage. Oh, le poussin. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah. 11 kills. Bien joué. Bien joué, bien joué. T'en as eu 6. C'est très bien. C'est très, très bien aussi. Poulet, c'était un plaisir de jouer avec toi. Je te fais des bisous. Yes, et ben moi je te souhaite que du bonheur pour la suite de ton aventure sur YouTube. Mec, fais un bisou à tonton Sky et puis si un jour tu me vois connecté, tu veux que je dise un truc spécial à Skyrose? Bah dis-lui que il fait du super taf, que ses vidéos elles sont bien et que bah Warzone ça fait rager. Mais ces vidéos elles sont bien ou genre elles étaient bien il y a 15 ans, mais là elles sont encore bien ou pas, je lui dis. Elles sont toujours bien, c'est très bien. Juste les call off. Ouais, c'est d'accord. De moins en moins bien. OK, bon bah, si mais je suis d'accord avec toi, donc je lui passerai le message. Ce sera répété. Du coup, je vais mettre une note à l'arme de Tafa Francesco qui n'est autre que la Sten en hipfire. J'ai essayé de l'utiliser en hipfire le plus possible. Les balles en .45 font vraiment mal, mais la cadence est pas très élevée. La précision au tir au jugé est pas exceptionnelle, ce qui fait que c'est quand même extrêmement dur de clutch en 1 contre 2 avec un seul chargeur. Pour cela, elle va perdre des points. Mais en même temps, elle est légère, tu peux viser avec. C'est une arme sympa. Je lui mets un petit 15-16 sur 20. Parce qu'au final, en ce moment, des armes au corps à corps, c'est pas là, on n'est pas en mode Mac 10. Du coup, elle est plutôt ok tiers. Je lui mets un petit 16. Voilà. Et bravo à toi qui a réussi à faire cette classe. On passe. Et surtout que bah, en allant follow YouTube et tout, bah, on prendra vos défis du coup. On a Desi41, les gars. Alors, salut Cho. J'ai une classe qui n'a aucun sens pour toi. Un pistolet automatique Vanguard avec un HDR à la mire. Bon, ben, Daisy Quentin, j'accepte ton défi. Dites-vous, les gars, que Didier, il a vu les défis. Il m'a dit, hey, chaud, juste tu les armes, t'expliques un peu si c'est bien ou pas. Pas les couilles de faire une bonne game ou pas. Tu penses? J'ai tellement d'ego. Un HDR à la mire, c'est moi ou c'est pas possible? C'est impossible. Ça existe pas, la mire sur l'HDR, parce que quand tu décoches, t'as automatiquement la lunette de sniper. Ok, donc légère modification. Hop là, c'est bon. J'ai une mire OSPR. Ok. Visée accélérée. Ok. Et avec un pistolet... Oh putain, le fils de pute. Je veux dire, trop cool ton défi, Quentin. La légende d'un pistolet comme ça qui pouvait être bien, tu vois. Compensateur strife, automatique, pas de viseur, on s'en bat les couilles. Agilité, contrôle du recul, précision au tir au jugé. Chargeur, 18 cartouches, oh là là. Oh, c'est pas beaucoup, chat. Cadence de tir, précision au tir au jugé. Oh, machallah. Ok. T'es sûr pour tes armes? C'est quoi ce bordel?
Allô? C'est plaisir de tomber sur des bons gars. Oh, tu t'esquives. J'ai fait un saut sur le côté, je t'ai défoncé. Je marque une cible pour une. Je suis pas sûr. Thank you, Kiran. Bien joué, bro. Ok. Oh! Oh! Oh le sauvetage que tu m'as fait, Kiran, c'est incroyable! T'es français? Ça, c'était français? Merde! C'est de la merde cette méta. Hein. Putain, il faut que je tire un hipfire pour voir si ça marche. À quoi ça sert que je mette du tir au jugé? Si le résultat du tir au jugé, c'est ça. Et si je vis, ça fait quoi? La maîtrise de ce gun, c'est vraiment... Faut que je lui mette le flingue dans la gorge. Oh, you insane. Kill, kill. One more, one more. You insane, man. You fucking insane. Kiran, GG, my friend. Ils jouent leur vie les derniers, c'est des petits malins. Let's go brother! Well play! Troisième défi YouTube! Validé à fond! C'est la quatrième non? Peut-être la quatrième ouais tata. En termes de timing ce serait plus logique hein. Du coup, bilan de cette méta, j'ai joué avec le SPR. Au début, il voulait un HDR à la mire, Daisy Quentin, mais j'ai pas réussi à lui faire. Parce que c'est juste pas possible. Et puis, il voulait un pistolet automatique Vanguard. Je suis parti sur le 1911, qui a été moins pire que ça. En soi, le pistolet, j'y suis arrivé parce que c'est moi. Sinon, c'était horrible. Le SPR, c'était de la grosse merde aussi. Parce que dans tous les cas, si tu l'équipes en visée rapide, tu peux pas vraiment l'équiper en balle qui est super fast. Je mettrais que cette méta vaut un 12 sur 20. Tout simplement, parce qu'elle est éclatée. Donc passons à la méta suivante. J'ai une classe assez originale et super efficace en rebirth. C'est une lapa, les gars. Alors, je suis très très hype parce que j'adore la lapa. Comment est-ce qu'il équipe? Il équipe avec un silencieux sonore, les gars. Laser 5MW, la microflex. On a une poignée brusier. Ok, brusier, c'est ça. 50 cartouches.
Attends, du coup, il me reste... Là, il manque un truc. À la bouche, silencieux sonore, il était parti. Ok. Autant pour moi. Du coup, ça, c'est l'arme qui a été proposée par Monsieur Sparrow. On va voir ce qu'elle donne. Allez, go. Ouais, ça fait 200 par semaine pour deux, c'est pas abusé, tu vois. Sachant que ben, c'est restaurant. Et puis comme j'ai dit, tu vois, par exemple, j'ai reçu une semaine tatanus, je suis à 300 tout seul. Ouais, mais ben, dès que tu te prends des fruits ou des légumes, des trucs on va dire plutôt sains, plutôt bons et de la bonne viande, t'en as pour un budget, c'est un truc de malade, c'est trop cher, hein, c'est abusé. Lui, depuis tout à l'heure, il me tire dessus. Oh. Putain, toi t'es pas la moitié d'un fils de pute, hein. David, vous avez la réponse? Il m'énerve les gens qui font des droites gauche de ouf quand ils sont au sol. Ça change rien, tu vas mourir. Un ennemi atterrit dans la zone. Ce headshot. Tu es bien numéro 1 actuellement. T'es premier mondial devant un russe. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir bien lu. Mais je crois que pour les streamers pour les streamers russes, je sais pas s'ils vont avoir des encore avoir des virements de la part de Twitch. Y avait pas une histoire comme quoi c'était Twitch envoyait plus de sous-sous aux streamers. Je sais plus. C'est fini les craintes du coup. Oh l'enfant de pute. Oh c'est fort, hein. Ce qui me saoule, c'est que c'est des niveaux low level. Ce qui fait que toutes mes balles, il les tank. Je marque une
C'est dur, hein. Ouf. Ah ouais. Oh joli. Ah ouais, c'est les mecs ils jouaient propre, hein. Ils ont pris une frappe, ils ont reculé, bord de zone. Les deux sont accoudés au truc. Je mise sur 6 kills chacun. 5 kills. Ça se voit que c'est des joueurs qui jouent avec des armes lourdes, des trucs. Du coup, il y en a un qui joue Kalachnikov et lance-roquette. Ah, c'est leur méta aux deux. C'est honnêtement, c'est une méta incroyable parce que la Kalachnikov comme ça, c'est super fort au corps à corps. C'est super fort à distance aussi. Après, je vous avoue. Après, c'est vraiment des gros fils de putain. Je vais donner mon avis à Sparrow sur sa petite lapa. Elle est très sympa. Une lapa, ça fait tellement mal. J'aurais plutôt mis ça. Un contrôle de recul, histoire d'être encore plus méchant avec. Peut-être, frérot, voir pour un canon à la place du viseur. Ce viseur-là, il sert pas. Ou au moins mettre le projecteur équipe Tiger pour les vitesses de déplacement et tout. Ce serait mille fois plus intéressant. Moi, si je devais l'équiper, ce serait comme ça. Voilà. On va passer à la dernière méta et on va enfin partir sur Caldera. Les gars, on va tester l'AS44 du coup. Prada 81 qui nous propose d'aller jouer à l'AS44. Alors, je sais même pas ce que c'est. C'est un fusil d'assaut? Ah, c'est une AR. Ok, les gars. AS44 et ça... Waouh. What the heck? Hey, il y a des petits skins, ils sont vraiment trop mignons. Alors, comment est-ce que tu équipes ça, mon frérot? C'est Prada81 qui nous dit de mettre un silencieux Mercure, le canon Impératrice, le Falchion. Ok, le Falchion, c'est celui-là dont il parlait. On a le Mark V squelettique. Attends, qu'est-ce que c'est? Le Mark V... Les gars, c'est quoi un Mark... Non, Mark VI squelettique. C'est un viseur? Zach squelettique? C'est ça, peut-être? Je vais faire ce qu'il y a écrit et que j'arrive à comprendre. Munitions allongées. On a le ardoise. La crosse, la ZAC 12. Pas personnalité. Poignée avant, c'est le Mark 5 squelettique. Ah, bien vu. Parfait. Poignée, c'est la hachurée qui nous... C'est bizarre les poignées, non? Hachurée, là... On a fonceur et chargé à bloc. Chargé à bloc, je m'en fous un peu, moi. Donc, on va plutôt prendre apnée. C'est la seule modif que je m'autorise à faire sur les atouts. Ok. Bon, ben, on a la méta du collègue, les gars. On va voir si on a un petit camo à mettre dessus. Un petit camo à mettre. Parfait. Cette AS44 est incroyable, mais beaucoup de recul. Mais tu vois, c'est là où clavier-souris comparé à manette, on a l'avantage. C'est que nous, en fait, genre, t'as la souris qui est comme as. Et la plupart des reculs, tu sais, les armes, elles pointent vers le haut. T'as juste à reculer ta main petit à petit sur ton tapis de souris. Et tu... Mais qu'est-ce que j'ai branlé, les gars? Du coup, on remercie Preda81 pour le test de cette arme. Allez, c'est parti. Bon, et voilà comment on fait 3 kills au spawn, les gars, sans se prendre trop la tête. Ah, je le vois, vous le voyez? Biais flou du 64. Putain. Du 64, frérot. Ah, il y a un deuxième streamhacker du coup. Ah. Qu'est-ce que t'as à plus me montrer ta tête? Tu montes tes fesses maintenant. What's up?
Il va... Il... Oh non! Oh non! Vous pensez qu'elle est bien, l'arme, les gars? Alors, si je maîtrise pas le recul... Ça a l'air terrible. Hein. Et quand je dis terrible, c'est, ça a l'air terrible, terrible. Hein. Ça a l'air... Ouais. Ah, on m'a pas... Ça prendra à camper ma caisse, tocard, va. En tout cas, j'aime beaucoup cette méta. Monsieur Prada du 81, très bon goût. Ça m'a compté le kill ou pas, tellement je lui ai mis qu'une balle. Ça n'empêche, les gars, c'était une matinée défi. Il y aura eu beaucoup de super bonnes games. Hein. Je suis content de cette matinée défi. Hein. Je pense que la commu YouTube elle va être trop ravie. Je suis sur un timing de backstab là depuis tout à l'heure. Ça m'arrive jamais, les gars, de autant backstab les gens. Je peux vous jurer, les ultras. Non! Non! Oh là là. Par contre, je connaissais pas du tout cet endroit. Sacré planque. Ouf. C'était quoi ça? Donc, le tir bouge pas. Un sniper est là. Le joueur qui était dans ce bâtiment a sauté dans celui-ci. Ce qui veut dire que quasi obligatoirement, il y a personne ici. Je fais quand même des petits checks à droite par sécurité. Check à droite. Bord de zone, vérification de la maison en même temps que le gaz arrive. Hop, on part dans le gaz, complètement dans le gaz. Voilà la frappe aérienne, ce bruit m'appelle. Hop, ça c'était le campeur de shop. Je l'ai pas vu, mais en gros, comment j'ai fait pour le tuer si simplement? Regardez, vous voyez la map là? Le gars s'est arrêté là, j'ai mis la frappe ici. Problème réglé. Faut pas hésiter à se mettre des fois contre les murs comme ça avec une petite cover devant. Tu sais, tu fais des petits droits de gauche, viseur vers le sol. À quoi ça sert d'avoir le viseur vers le sol? Là par exemple, regardez, on n'y voit rien, il y a des pixels partout, c'est dégueulasse.
on va re-shielder. Et en fait, regardez, ça va me permettre de le voir par exemple, de voir où il est. Je pense qu'il est accoudé plutôt salement. Et on va pas plus faire de démonstration avec ce mec, parce que ce mec est putain d'énervé. On va essayer de le trouver. Il m'a break shield deux fois et là je peux m'avancer jusqu'à lui. Il y a un truc qui correspond pas, les gars. J'ai toujours pas vu, hein, pour info. Ce mec passe son temps à fuir et reculer. Pour vrai, est-ce que j'ai cramé tout mon stuff pour tuer lui? Parce que ce genre de personne, les gars, qui joue caché en essayant d'avoir full l'avantage sur tout le monde et tout, qui joue comme des rats. Je préfère mourir, les gars, là maintenant, et l'embarquer avec moi, plutôt que faire top 1 et que ce mec continue plus loin sa partie. Là, j'ai un problème avec eux, vraiment, je les hais. Il reste 5 personnes. On va procéder par élimination. Deux mecs là. Un mec là. Un mec là. Et moi. Sauf que personne n'est ici. Donc cette info, elle est fake. Ce qui veut dire que quelqu'un est peut-être contact à moi dans un creux. Et en fait, par autodéduction, juste en réfléchissant un peu, on peut arriver à les trouver. Là, j'ai une super position. Hein. Je suis très très bien. Il y a moyen que ça prenne une zip pour temporiser dans les airs. Ce serait trop marrant en vrai. J'aimerais bien qu'un des joueurs fasse ça. D'ailleurs, j'espère que ce défi YouTube aura plu à la communauté YouTube. Je vous fais des bisous. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche. Il va y avoir de très belles vidéos qui vont sortir. Du beau matos est arrivé. Peace. Ouais, je fais mes intros, YouTube, tout ça, hein, tu connais. Hein. Oh les gars, à 14h, il y en a qui vont bouffer. Hein. Alors, la zone pouvait pas être plus parfaite. Elle est pile de mon côté, tu vois. Et on est toujours 5. Sauf que cette fois-ci, les deux qui vont devoir sortir de ce bâtiment, ils vont s'entretuer. Les deux qui vont sortir de là vont s'entretuer. Ce qui fait qu'il va plus rester que 2 ou 3 personnes. Donc là, oui, on peut mettre la musique. Hop. Je m'oriente un peu sur la gauche. Ça jouait la roquette! Non, c'était le joueur lance-roquette! Non! C'est le joueur lance-roquette que j'ai knock en l'air et que j'ai pas fini qui m'a tué! Ah non! C'est pas grave. T'es mal à taille du rat. Les gars, l'enculé! Cette AS-44 est clairement la meilleure arme que j'ai eue. Je lui mets une note de 20 sur 20 parce que c'est clairement une arme qui pourrait être méta, plutôt légère, un time to kill impressionnant. 19,5 peut-être sur 20. Parce que, petit bémol, les joueurs manettes, pas trop l'utiliser, je pense celle-là, parce qu'elle a trop de recul. Faudra trouver une manière de baisser le recul vertical que ce soit plus gérable sur manette. Voilà!